Mais c'est de la folie! Pourquoi? Mais on va tous en dire. Mais c'est comment, vas-y? Je rentre comment? Ok, c'est bon. Mais les trois voitures qui étaient garées là, ils les ont compressées. Attendez, calmez-vous, dire... monsieur, calmez-vous, regardez, il y a des enfants, calmez-vous. Mais qui c'est qui a fait ça? C'est pas possible. Et celle-là aussi, là. Ah oui, c'est la politique du département, ça, monsieur, ils font ça souvent. Qu'est-ce que c'est mais le numéro? Mais comment ça, mais c'est comment, moi j'ai plus de voiture. C'était ça, votre voiture, mais monsieur? Oui, c'était ça, ma voiture. Il y a tout à l'intérieur. C'est comment, j'ai tout à l'intérieur. Mais quoi, putain, numéro? C'est pas possible. Mais c'est quoi, moi? Tu vas me la rembourser, ma bagnole? Bah, y a la prime à la caisse, je pense. Mais quelle prime à la caisse? Elle était quasiment... Mais elle avait rien, cette voiture! Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Autorité réglementaire pour l'équilibre automobile. J'écoute. Oui, c'est quoi, ça? J'ai un avis de compression de ma voiture. Oui, vous étiez garé où, dites-moi? Mais il est garé sur le parking Val d'Europe, là. C'est quoi cette histoire? Votre véhicule rentrait dans le plan de réduction du parc automobile. Mais pourquoi? Mais on m'a pas prévenu. Et en plus, j'ai mes affaires à l'intérieur. Comment je les récupère maintenant, moi? J'ai un sac à l'intérieur. Je le récupère comment? Il est où, mon sac? Mais c'est de la folie! Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Mais non, je me calme monsieur, pas. J'ai besoin de ma voiture. Je dois repartir chez moi. Comment je fais? Vous écoutez, là, vous n'avez qu'à louer une voiture. C'est devenu hyper simple. Puis franchement, votre voiture, vous n'avez pas vraiment besoin. Surtout une voiture rouge, c'est tellement années 80. Mais ça va pas la tête, mais je peux plus lui parler. Elle. Mais non, mais ça va pas la tête. Elle me raconte une connerie. Je rentre comment? On rentre en bus ou on va vous trouver mais quelque chose. Mais je veux pas rentrer en bus, putain de là, merde. Là, vous pouvez pas monter là-dessus, hein. Caméra cachée. Non, bien joué. Franchement, bien joué, parce que putain, comment je me suis fait prendre sur ce coup. C'est génial. Vraiment, bravo, génial. Parce que putain, quand on voit ça, on se dit vraiment, on est chez les malades mentaux.